Salut à tous, on se retrouve pour évoquer l'une des plus anciennes fantaisies du jeu, l'invocation rituelle. Première invocation rituelle qu'on a pu observer, c'est celle du BLS de Yugi face à Mai. Puis on a eu celle du renoncé de Pegasus, l'abandonné. Et il y a aussi le magicien sombre du chaos face à Pegasus pour Yugi. Donc en fait, on a pu observer directement que ça invoquait des monstres très puissants, entre guillemets, en stat ou avec un effet. Mais avec les premières règles du jeu et les premières cartes, on a pu observer des défauts irrémédiables, entre guillemets. Alors on va voir qu'il faut une magie rituelle, un monstre rituel, qui correspond à la magie rituelle en plus, et de la bouffe, c'est-à-dire les sacrifices pour faire le rituel. Donc comme j'ai pu l'expliquer dans ma précédente vidéo sur le Card Advantage, ça en revient à utiliser deux cartes et demie, trois cartes, pour en obtenir une. Bon, un boss monster, mais on utilise plusieurs cartes et en plus il faut les réunir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois piocher la magie rituelle qui correspond au monstre rituel et en plus il faut fournir le sacrifice encore une fois. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps l'invocation rituelle ça va être quelque chose de fun et de difficile à accomplir. Mais dès la sortie du premier support rituel avec le renoncé dans le maître des magiciens, les créateurs du jeu et les développeurs, ils ont directement vu les défauts et ils ont créé deux cartes qui permettent déjà d'amoindrir ces défauts. Et c'est les premiers tutos du jeu à l'invocation normale, un peu comme des gadgets ou Herman, Stratos. Ça va être l'oiseau furtif et Senju des mille mains. Puis par la suite, ils ont fait une fusion des deux avec Manju des 10 000 mains. Moi je confonds toujours Senju et Manju. Et voilà, c'est des cartes qui vont aller chercher et les magies rituelles et les monstres rituels et qui vont permettre de stabiliser l'accès aux cartes rituelles et donc rendre ça un peu plus pertinent. Donc depuis le début du jeu, des formats avec un deck rituel pertinent, il n'y en a pas eu des dizaines. Moi en l'occurrence, j'ai noté 4 des rituels emblématiques qui montraient à la fois les paliers de stabilité que gagnait la mécanique et à la fois des supports qui permettaient de rendre les decks très très forts. Donc je vais présenter ces 4 decks, leurs paliers et leur impact sur le développement du jeu. Et après on pourra parler même des autres decks rituels et des mécaniques qui arrivent. Mais ce sont deux choses, savoir la potentialité d'un deck rituel qui puisse revenir ou des decks rituels qui peuvent exister et ce qui s'est déjà passé. Donc le premier deck rituel qui était vraiment et sérieusement méta et qui a eu un impact sur le jeu, ça s'appelle Demise ou Pain, Roi de l'Armageddon, et c'est sorti en 2007. Donc l'idée c'est qu'il y avait déjà depuis un moment ce monstre rituel qui s'appelle Pain, qui pour 2000 points de vie détruit tout le terrain, mais que malgré une magie de terre rituelle qu'on pouvait ajouter, ça coûtait trop cher à invoquer pour la contrepartie. Savoir qu'à l'époque, on jouait avec la priorité. Donc si Pain il touchait le terrain, il détruisait tout le terrain. Et la sortie de l'art du rituel avancé, carte encore une fois générique pour les rituels dans le booster l'attaque de Neos, a tout changé. Pour faire simple, c'est une magie rituelle pour tous les monstres rituels qui envoie les monstres matériels depuis le deck à la condition que ce soit des monstres normaux. Quand les gens ont vu ça et ils ont pris un peu de temps, on a cherché les meilleurs monstres rituels. Je me rappelle d'un joueur très connu qui jouait héros élémentaire avec Kreshif de la destruction. Mais le bon monstre rituel, le meilleur du jeu à ce moment-là, c'était Pain, Roi de l'Armageddon. Et les meilleurs monstres normaux, il s'est trouvé que ça soit des monstres insectes. Je me souviens du chevalier cafard, parce qu'ils avaient et les meilleures stats pour des vanillas,
et qu'en plus ils avaient quelques petits supports comme Doomdozer, le chargeur dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est une sorte de BLS pour les insectes, donc qui s'ajoute à peine pour attaquer et finir une partie. Donc c'était le premier deck rituel méta, et il était très très méta, parce qu'il coûtait pas très cher, et il était très simple à jouer. L'idée c'était de faire Manju ou Sanju ou Oiseau Furtif pour aller chercher les pièces de l'invocation rituelle. Avec Art du Rituel avancé, on payait une carte de moins pour invoquer un monstre rituel. Donc c'était peine. Peine, il détruit tout le terrain. Il a 2400. Et à l'époque, il y a un truc sacré, c'est les OTK, c'est 2400, 2800, 2800. La somme fait 8000. Et vous remarquerez que Jinzo, Cyberdragon, jumelés, font cette somme-là. Et à l'époque, c'était Pain et 2 Doomdozer font OTK, chargeur dévastateur. Ou Pain, chargeur dévastateur et métamorphose pour invoquer Cyberdragon jumelé font OTK. Ou des combinaisons comme ça, avec Megamorph, parfois Limiter Removal. Donc ce deck-là, il est très simple, il était dévastateur, très très fort. Il est arrivé direct à faire des performances. Je me rappelle pas qu'il ait gagné de tournoi majeur, parce qu'en fait on était ultra raciste contre ce deck. C'est à cause de ce deck qu'on a découvert trois super staples, les cartes qu'on met partout. La première, c'est Démon de la Vanité. Comme c'est un deck rituel, si on lui invoquait Démon de la Vanité, il était un peu bloqué. Je m'en souviens qu'il devait faire Mégamorph sur le cafard, Chevalier Cafard, pour attaquer le Démon de la Vanité. Il fallait avoir un petit typhon pour détruire Mégamorph en Battle Step. La deuxième carte importante, enfin c'est un duo, c'est on l'appelle Mind Crush Out, c'est Cohue Cérébrale et Chose Trap. C'est deux pièges que dès qu'on lit les effets, on se demande pourquoi ils n'ont pas été joués avant, mais on les a fortement joués parce que ce deck il faisait des tutos, et en gros l'idée c'est si l'adversaire activait une magie de rituel, on chaînait Chose Trap, on chaînait ou Cohue Cérébrale et on lui faisait perdre la mécanique. Et la résolution de sa magie rituelle. S'il n'avait pas deux peines roi de l'Armageddon, il pouvait pas. Il perdait une carte pour la chose trap, mais il perdait sa magie rituelle. Mais le pire, c'est quand même la couille cérébrale. Donc le deck, il était relativement représenté, parce qu'il fallait. C'était un. L'époque, on jouait des decks à peu près similaires, on appelait ça Big 40, on jouait des cartes un peu communes un peu partout. Là, c'était un gros parti pris de jouer un deck OTK comme ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ces deux pièges, elles ont carrément rendu le deck totalement gérable. Mais là où il y a eu un effet pervers, c'est que ces deux pièges, et surtout Chose Trap, après, elles sont restées dans le format, même si le deck continue à être moins joué. Et après, ils ont dû limiter à un Chose Trap. Et je crois qu'on peut dire pendant 4 ans, 3 ans, Chose Trap, c'était une des plus grosses fausses du jeu. C'était une carte qu'on mettait. Dans tous nos decks, et si on commençait avec, on avait l'information de connaître la main, un peu comme une smoke bomb maintenant, et on volait une partie. D'ailleurs, elle est toujours bannie, tant mieux. Et voilà. Et donc, c'était le premier deck rituel qui a eu un tel essor et un tel impact. Et c'est principalement dû à les trois jus et surtout Art du Rituel avancé. Le deuxième deck rituel à retenir, qui a eu son petit impact, il est lié à un type. Et c'est pas anodin, parce que ça va être le type le plus important des rituels, c'est le type elfe. Manju et Sanju sont des elfes. Bon, l'oiseau furtif est une bête ailée. Et l'idée, c'est qu'il y a eu d'abord ce qu'on appelle les Heralds, en français, les héros de la perfection. Il y a eu le vert pour annuler les magies, le pourpre ou le violet pour annuler les pièges. Puis au début des synchros, il y a eu le orange pour annuler les effets de monstres. En 2010, ils ont mis les trois dans une seule carte rituelle. Héros de la perfection, Hérald toujours. Et lui, c'est un monstre rituel de niveau 6, elfe, qui pour une carte monstre elfe défaussée annule l'activation de n'importe quoi. Il a 1800 d'attaque et 2800 de défense. Donc il est sorti au format des Ténèbres Scintillantes. Donc il y avait plusieurs gros decks à ce moment-là, à savoir Infernity, mais surtout X-Saber avec un chat,
un prêtre invocateur. Donc c'était ça, c'était un deck très dominant. Mais malgré tout, le deck a fait quelques performances, notamment en Italie. Et lui, il a commencé à montrer que commençait à avoir beaucoup de bonnes cartes pour les decks rituels. Déjà, il y avait une magie rituelle en plus de art du rituel avancé. La magie rituelle des héros, elle récupère un des sacrifices de l'invocation rituelle. Donc, elle fait une compensation par rapport au coût de l'invocation rituelle. Et en plus, je crois qu'à ce moment-là, la préparation des rites était déjà sortie. Et donc, ça continuait à stabiliser l'invocation rituelle. Alors, elle est sortie dans Absolute Power Force. Je pense ouais, qu'elle était sortie. En plus de ça, quelques mois avant, le meilleur monstre elfe était sorti, c'est Christia. Un peu comme Doomdozer avant, sauf que là, bah, Christia a dit que s'il y a 4 elfes au cimetière, ben, aucun joueur ne peut faire d'invocation spéciale. Donc ça veut dire que Herald protège Christia, Christia protège Herald. C'était un board très difficile à battre. Après, c'était un peu dice roll, c'est-à-dire qu'il fallait quand même commencer pour se l'assurer vu qu'il y avait des pièges. Mais c'était effrayant. Et en plus, il y avait une petite combinaison, c'est que Hardy Rituel avancé, elle envoie des monstres sans effet, mais on peut envoyer la combinaison qu'on veut. Donc pour invoquer Herald, on pouvait utiliser 3 elfes normales comme des moqué-moqué. On était donc à 3 elfes au cimetière. Et là, très facilement, il nous fallait trouver qu'un elfe pour invoquer Christian. Et après l'idée, voilà, Perfect Herald, si on a une main avec 5 elfes, on allume 5 cartes. C'est très simple, très bête. Et ça n'a pas du tout dominé, mais ça a fait des perfs. Et malgré tout, ça montre à ce moment-là que ça va être le type elfe qui va principalement carry, c'est-à-dire porter lead l'invocation rituelle. Le troisième deck dont on va parler, lui, il est un peu en rupture avec Manju, Sanju et les elfes. Et surtout, il est un peu méconnu, on va dire, du grand public, mais même des gens qui font beaucoup de tournois, parce qu'en fait il est sorti en 2012 à la fin de l'été, donc en fait après la vraie saison compétitive, après le championnat d'Europe. Et il est sorti dans un booster qu'on appelle les Arsenal Mystérieux. Et ça fait que en fait il y a beaucoup de gens qui ont vu qu'il était dans la banlist immédiatement, mais qui n'ont pas affronté en tournoi. Et ce deck, c'est Gishki. Gishki, eux, c'est des monstres hauts, et c'est le principal archétype rituel bah, des Arsenal Mystérieux. Alors, il est tellement complet et bien qu'il peut se passer bah, de Manju, Senju et de Oiseau Furtif, vu qu'il a les siens. Il a un petit poisson qui va chercher les deux Gishki, Ombre et l'autre. Et pour le coup, on peut les défausser pour aller chercher Magic Gishki ou Monstre Gishki. Et ça, c'est pas limité une fois par tour. Et en plus de ça, eux, ils ont un monstre Gishki. Enfin, il y en a plusieurs monstres rituels très forts. Mais ils ont une magie rituelle excellente. C'est peut-être la meilleure magie rituelle du jeu. Parce que son effet, c'est qu'elle fait une invocation rituelle de n'importe quel Gishki. Déjà, elle sous-entend qu'il y aura plusieurs monstres rituels. Alors qu'avant, que ce soit Herald de la Perfection ou Pain, roi de l'Armageddon, il n'y avait qu'un seul monstre rituel dans le deck. Là, on passe à plusieurs. Et le monstre rituel en question qui pose problème, c'est Ghost Kraken. Parce que lui, il est niveau 6. Et qu'il va regarder deux cartes de la main adverse et en prendre une, on va la remettre au deck. Déjà, dans le jeu, il y a une nuance. Remettre au deck, c'est pire que défausser. Parce qu'il y a des cartes qui ont des effets au cimetière. Mais en plus, comme il est niveau 6, ça va engendrer et être lié à des loops. Déjà, ça veut dire que pour l'invoquer, on va utiliser souvent. À ce moment-là, des hiératiques. Les monstres hiératiques, c'est des dragons que lorsqu'ils sont sacrifiés, ils invoquent un monstre dragon normal depuis le deck. Donc l'idée, c'est que un hiératique, ça assume deux invocations rituelles. Donc déjà, on a un souci de moins. À ce moment-là, il y avait un rang 6 qui était très fort pour l'époque, qui s'appelle Photon Strike Boonzer, qui annule un effet de monstre, qui valait son petit pesant d'or, et il est sorti à ce moment-là. Et en plus, déjà, le Goose Kraken, dans tous les cas, peut être matériel de l'invocation rituelle d'un deuxième Goose Kraken. Ça voudrait dire qu'on a déjà défaussé deux cartes à l'adversaire.
Donc ce deck il était excessivement stable. Et au Japon il avait fait énormément de résultats. Chez nous, heureusement, il est sorti à la bah, pendant l'été. Donc il a presque pas ruiné beaucoup de tournois à part les tournois locaux. Et je me rappelle que Konami l'a admis direct le Goose Kraken à 1 et, ou à 2, mais sûrement à 1. Et c'était très justifié parce que c'est vraiment une carte orientée loop anti-jeu. Et ça lui a mis un coup, mais au moins on n'a pas eu à affronter ça. Après ça, il lui reste encore deux monstres rituels fantastiques. Alors les deux qui me viennent en tête, c'est Levianima ou je ne sais plus lequel je vais vous le montrer. C'est un monstre rituel qui fait peau d'avarice sans piocher. Il prend 5 cartes dans les deux cimetières et il les remet au deck. À l'époque, plus tard, il y a eu un deck basé que sur lui. À ce moment-là, il y avait 3 gobelins parvenus dans le jeu, 3 One Day of Peace, un jour de paix. Et c'est des cartes qui font juste je pioche. Hein. Et en gros, le but de ce deck rituel-là, c'était de piocher tout son deck. Et après, il y avait un FTK. Quelconque, je vais le rechercher, mais l'idée c'est qu'on pouvait piocher bah, à cette, on piochait tout son deck et on remettait uniquement les cartes qui font piocher un au deck, à savoir les 3 Upstart, c'est-à-dire qu'on donne des points de vie à l'autre, et les 3 One Day of Peace, et on se retrouvait dans une situation où on n'avait plus de deck à part ces cartes-là, et je sais pas moi, 2 pièces de FTK quelconque, et ce deck-là il mettait énormément de temps à gagner, il était stable, bon après. Ils l'ont aussi limité, et ils ont limité et Upstart et One Day of Peace, mais ça prouve que l'une des cartes emblématiques des Gishki, c'est Cycle, Aqua Miroir et tout ça. Le deck faisait des cycles, et des cycles parfois infinis. Et ensuite, le dernier qui est beaucoup plus fun, mais que j'aime beaucoup, c'est sur Evil Gishki Zilzigas. C'est un rituel de niveau 10, qui fait des rangs 10. Hein. Et surtout. Pour 1000 points de vie, on va piocher une carte. Si c'est Nidishki, on va renvoyer une carte sur le terrain dans le deck. Donc au premier tour, il est très mauvais parce que si on pioche un Kishki, il va devoir partir. Mais par exemple, en deuxième, il est capable de ils sont cap enfin, on fait plusieurs Zilzigas, il a 3250 d'attaque. Il est capable de raser un terrain et ça, c'est super fun. Mais voilà, Gishki, c'est le deck rituel avec le premier avec une magie rituelle aussi conséquente. Le dernier deck. Il a tellement écrasé le reste des autres decks que on pourrait faire une vidéo juste sur lui et peut-être qu'un jour on le fera. Alors en 2014, fin 2014, dans les nouveaux Challengers, il y a le Synchro Herald, encore une fois of Pure Light, of Arc Light qui est sorti, et sur le moment on n'a pas compris son effet de quand il va au cimetière, on peut ajouter un monstre ou une magie rituelle, à savoir les deux. Encore une fois, c'est un elfe. Et quelques mois plus tard, bah, le deck Necroz a été annoncé et on a compris son utilité. Première. L'idée, c'est que les Necroz, ça va être bah, un peu les chevaliers du Zodiaque du monde de l'arsenal mystérieux. Savoir que c'est des guerriers, des magiciens et des dragons qui vont revêtir l'armure de monstres mythiques de l'arsenal mystérieux. Donc les plus connus que c'est Brionnaque, Clozolas, Valkyrus, Unicorn, voilà, les Necroz, Néclotes, comme au Japon, hein. Si vous connaissez Senseiya, on appelle ça les Cloths, en parlant des armures en tout cas. Et ce qui vont revêtir l'armure de créatures légendaires bah, du monde des cartes. C'est pour ça que j'aime bien cet archétype. Et donc le principal outil des Necroz, d'abord c'est leurs 3 magies rituelles, ouais ils en ont 3. A savoir le Kaléidoscope, qui envoie un monstre de l'extra deck au cimetière pour faire l'invocation rituelle d'un ou plusieurs monstres Necroz, dont la somme des niveaux est égale à celui qu'on a envoyé. Donc si on va invoquer par exemple Unicorn, un petit skill drain sur patte, et ben on utilise Herald. Et donc on a fait un plus 1. Ou un 0. Ensuite on peut utiliser un gros comme Shooting Quasar ou Ultime Dragon Lance Yeux Bleus pour invoquer Unicorn plus Valkyrus. Voilà, une magie rituelle qui invoque deux monstres rituels, ça n'existait pas avant. Ensuite il y a le Cycle Necroz. Je l'ai fait dans l'ordre dans lequel on joue. Le Cycle Necroz il fait soit rituel de la main naturellement, soit depuis le cimetière. C'est un peu comme un Monster Reborn, ça c'est tout nouveau. Et donc il faut juste assumer la défausse.
Bon, ils ont des cartes comme Shurit qui font défausse totale. Et le dernier sort de rituel, c'est le Examiror, qui lui très facilement bannit la somme des niveaux depuis le cimetière pour invoquer un monstre rituel. Ils ont un effet en commun, c'est qu'on peut les activer qu'une fois par tour, et que si on contrôle pas de monstre, on peut les bannir du cimetière ainsi qu'un monstre nécrose pour ajouter une autre magie rituelle depuis le deck à la main. Déjà, elles sont ultra vertueuses. Bon, contrairement à la Gishki, c'est une fois par tour. Donc l'idée, c'est que Nécrose va faire trois invocations rituelles par tour. Peut-être invoquer quatre monstres rituels. Donc ensuite, bah, les monstres Nécrose, ils ont tous les deux effets. Et ça, c'est la différence principale. Avant, avec Pain, Roi de l'Armageddon, on a un boss sur le terrain. On a un niveau 8 ténèbres en main. Avec Herald, on a un boss sur le terrain. Un elfe niveau 6 en main. Avec Gishki, on a un boss sur le terrain, on a un Gishki en main. Là, la révolution, et ce qui fait que ce deck il a tout écrasé, c'est que les nécroses, ils ont en plus des effets. Il y a Brionnaque qui va chercher tous les monstres nécroses. Clozolas qui va chercher toutes les magies rituelles nécroses. Donc déjà, c'est-à-dire que Brionnaque, qui est niveau 6, donc qui passe à la préparation des rites, il va chercher tout le deck. C'est donc un deck ultra stable. Ensuite, on a Unicorn. Qui fait récupérer du cimetière. On a Trishula qui a eu un ciblage. Et on a Valkyrus qui met fin à une battle phase. Même les autres nécros secondaires ont des effets, mais je veux même pas les dire. Ensuite, il y a leur effet sur le terrain. Brionnaque, il fait comme le synchro. Il renvoie deux cartes d'extra dans l'extra. Clozolas, il passe un monstre d'extra à zéro. Et il lui annule son effet. Trishula fait l'effet du synchro Trishula, sauf à la différence près qu'il faut qu'il y ait une carte dans chaque zone. Sinon, c'est trop facile à faire, donc c'était une très bonne. Même ça suffisait pas, mais c'était une très bonne limite. Vous avez Unicorn qui annule les effets de tous les monstres d'extra. C'est lui qui va garantir pratiquement la suprématie du deck, parce que par exemple, si on joue Shadol comme moi, bah, on a des cartes sans effet. Et ensuite, il y a Valkyrus qui sacrifie en effet, c'est une nuance assez spéciale, pour piocher des cartes. Ça fait que on va sacrifier bah, ceux qui ont des effets quand ils sont sacrifiés pour en plus accumuler le card advantage, le CA. Alors ce deck il est arrivé, il a tout rasé, il était tier 0. Ils ont dû faire une pseudo-banlist d'urgence. Et c'était quand même le meilleur deck, mais on joue en fait pour jouer, si on joue autre chose, on devait jouer totalement contre ça. C'était faisable, hein. Moi, j'ai arrêté de le jouer et je suis parti dans l'opposition. Et d'ailleurs, c'est Shadol qui a gagné le championnat d'Europe. Mais malgré tout, c'est un deck tellement fort que ça a impacté tout le reste du jeu. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais montré à un ami, un ancien joueur, je lui ai montré mon deck parce que je trouvais magnifique. Et il m'a dit, mais c'est immonde, il est tout bleu. Il faut qu'un deck composé uniquement de cartes bleues, c'était particulier. Ce deck, il s'est nourri aussi des anciens supports rituels, savoir la préparation des rites qu'il a. Illimité et les Ju, Manju et Senju, bah, parce que tous les deux allaient chercher Brionnaque et donc tout le deck, et en plus il lui donnait accès bah, au rang 4 parce que un début de tour Nécrose un début de partie c'était toujours un rang 4 à côté de Valkyrus, souvent c'était Emerald ou on pouvait même faire Dweller pour piocher deux et c'était ultra opti, on gardait ses cycles encore une fois et c'était de la grosse opti. Il y avait aussi un truc totalement anti-jeu au début, qu'on appelle la Djinn Lock. Et voilà, les djinns, c'est des bouffes à rituels génériques qui ont sorti un peu avant. Et le Djinn Releaser of Ritual, lui, il dit que s'il est matériel d'une invocation rituelle, l'adversaire ne peut plus faire d'invocation spéciale. Donc on pouvait, avec les rank 4, donc Laval Valchen, on pouvait envoyer ce monstre au cimetière et on pouvait le bannir pour assumer une invocation rituelle. Donc si on pouvait invoquer Clozolas ou un plus gros monstre rituel, en tout cas, à partir de ce moment-là, l'adversaire n'avait plus grosse invocation spéciale. C'était atroce, on était obligé de jouer des cartes pour battre ça. Et en plus, l'idée c'est que bah, les Nécroses, ils ont leur effet Entrap. Il y a Trishula qui rend inciblable, Gengir qui rend indestructible. Et Valky qui a mis fin à la battle. Donc en plus il était protégé.
Donc on a fini avec les quatre fantastiques, les quatre decks emblématiques de l'invocation Link. Mais on remarque quand même des points communs, des similitudes, notamment la nécessité de et la dépendance à des cartes ultra fortes, mais pour amortir les défauts inhérents à cette mécanique qui est le rituel. Donc il y a eu les Jou, 3 monstres à 1400 points d'attaque. Il y a eu la préparation des rites, ils ont même fait la pré-préparation des rites. Il y a eu le héros de la perfection, enfin, héros Herald of Arclight, le synchro. Vous avez maintenant, il y a eu Benten aussi, qui est sorti bien après, c'est un monstre elfe rituel, qu'on n'invoque jamais par rituel, parce que le but c'est de la sacrifier, et l'invocation rituelle c'est une sacrifice, pour aller chercher des elfes. Elle va chercher tous les elfes du jeu si elle est sacrifiée. Qu'elle va se chercher elle-même, déjà pour faire cost infini. Elle va chercher Christia, encore une fois, ou les Jou. Et ensuite, vous avez d'autres supports bah, un peu plus récents, comme l'archétype Incantation. C'est à savoir une bougie, une plume, un cierge, je sais plus, et de l'encens, et un monstre deux monstres rituels, dont un qui est dans un calice, calilisme. Genre, c'est des monstres qui se révèlent dans la main avec une carte rituelle ou un magie ou monstre pour invoquer un monstre rituel, non, un monstre de l'archétype depuis le deck. Donc ça fait qu'on a deux monstres juste en révélant magie rituelle ou monstre rituel. Et leur effet, c'est que quand ils sont invoqués spécialement, ils peuvent ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle. Selon, il y en a quatre. Il y en a deux qui ajoutent les monstres, un depuis le cimetière, un depuis le deck, et deux qui ajoutent les magies, un depuis le cimetière, un depuis le deck. Donc ça fait quatre différents. Et leur monstre rituel qui lui se révèle en main, puis on défausse une carte, on peut le défausser lui-même pour spé un monstre incantation depuis le deck. C'est un rituel de niveau 6 ou 7, donc qui passe à la préparation des rites. Je crois même qu'il a un autre effet sur le terrain. Et en gros, eux, ils s'ajoutent aux Jou, et point fort, ils ne bouffent pas, ils ne prennent pas l'invocation normale, qui est limitée à une fois par tour. Ensuite, vous avez des trucs qui vont arriver, notamment un prochain build pack japonais, ça s'appelle les Draytron. Et c'est des monstres qui s'invoquent que par un effet. Donc c'est un peu bizarre, il faut sacrifier pour les invoquer. Et ils vont chercher tout ce qui est magie rituelle et monstres rituels, et peuvent se jouer avec d'autres decks rituels. Voilà, j'ai pas parlé de tous les decks rituels, mais je vais vous donner une liste non exhaustive de tous ceux qui ont pu exister, enfin, dont je me souviens. Déjà, il y a les Neftis, évidemment, hein, donc qui est basé sur le gros rituel Neftis et sur la destruction de ses propres cartes. Et ils ont un lien qui se rend dans tous les decks rituels parce qu'il devient très fort s'il a un rituel en tant que matériel. Vous avez Mégalith, qui avant la banniste du dragon de bloc était effrayant, était très très fort pour un deck loop, il fallait gagner le dé, mais c'était très très fort parce que en fait bah comme les nécroses, les monstres mégalithes, c'est à la fois des monstres sur le terrain et ils ont un autre effet. En général ils font office de magie rituelle. Donc c'est un deck qui peut jouer avec 5 monstres. C'était des rochers, donc dragon bloc dragon, il allait en chercher. Il allait en chercher deux ou trois et ça faisait énormément de CA, ça faisait des loops avec des synchros et tout. Voilà, c'était très fort. Je pense pas que ce soit fini, mais il n'y a plus l'abus du bloc dragon. Vous avez aussi bah, les Shinobu Oiseaux là qui me viennent à l'esprit. C'est des monstres rituels qui sont liés aussi aux monstres spirit. Spirit, hein, c'est des cartes très particulières, un peu comme les Toons. Et c'est les seuls. Pratiquement cartes du jeu qui peuvent invoquer spécialement des spirits. Je crois même qu'il y a des monstres rituels spirits. Ça a déjà été joué, mais voilà, c'est un peu en manque de support, mais il y a des trucs rigolos à faire. Et après, vous avez l'archétype BLS refait, Revival, avec le deuxième super. Là, c'est BLS Super Soldier, avec une super magie rituelle pour le coup qui envoie depuis le deck. Et un gros. En fait, l'idée c'est de donner les effets. Du Envoy of the Beginning, l'envoyé du commencement, à son rituel BLS. Donc ça cogne très fort, mais voilà, on peut pas vraiment commencer avec. C'est-à-dire jouer au premier tour. Et il y a aussi les Chaos Max. Vous avez le dragon blanc Chaos Max, qu'on a vu dans le film,
qui a trample deux fois inciblable indestructible à 4000, que voilà, qui est une giga brute. Et vous avez le Chaos Max, Dark Magician of Chaos Max, qui lui est très utile dans d'autres decks rituels parce qu'on peut sacrifier une carte, y compris lui-même, pour dire à l'adversaire qu'il a pas aux effets de monstre sur le tour. Donc voilà, voilà pour d'autres rituels. Donc en conclusion de cette vidéo sur les rituels, malgré on peut comprendre que malgré toutes les contraintes créées par le jeu, bah pour qu'on les joue à un moment ou à un autre, on voit qu'ils ont créé des cartes pour pallier à tous ces défauts initiaux et que parfois ça a été vraiment très fort. Voilà, c'est une mécanique drôle, intéressante, unique un peu et différente. Et laisse place à la prochaine que je vais traiter, à savoir l'invocation fusion. J'ai préféré d'abord faire les rituels, parce que les rituels c'est lié à premier Yu-Gi-Oh!, tout ça, et que ça va, c'est simple. L'invocation fusion, il y a eu tellement de choses que ça va me prendre un peu plus de temps. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on va parler bah, des fusions et de mes fusions préférées. Je vous souhaite une bonne semaine, à plus!